Depuis que je suis en train de vivre dans la vie, je suis en train de vivre. Et. Je suis en train de vivre. Ah, tu es joli. Tu es joli. Mais je ne comprenais pas l'essence de cela. Mais ce qui est vrai, que depuis que tu es en train de vivre, tu es changé. Mais, il y a toujours des années qui ont touché. Ah, on a. On est longe. Dans notre échange, on a commencé à l'autre mingi, on a dit qu'on a maï. Soit, tu as adoré, ou bien, on a pas menacé à maï. Des choses comme ça. Et quand on a commencé à prier pour la soeur, il y a tout un esprit qui l'a possédé. Et cet esprit sortant de son corps était en train de dire que, non, à côté, parce qu'un jour, na mona ke toi na na za ko simba e mingi melongi nani asimba yo. Amen. Il y a des touches sataniques ndenge mo kon sambe asala ka pa incarnation, ça dit que a latin zoto a motu po a pamula biso po ka prière to sala ka nzamba ya no la biso na nzela batu et ça peut ndenge mo ko satana pa sala ka pa incarnation pour détruire les vies des gens. Il s'incarne dans le corps de certaines personnes pour opérer des missions diaboliques. C'est pourquoi Nanzoto Amutu, je l'ai toujours dit, et ça n'a pas parti où Nanzoto peut permettre n'importe qui à Simbaote. J'attends quelqu'un dire amen, très bien. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour certaines personnes qui se posent des questions, pasteur, Nanzoto comprend de tes filles dans la direction de Nanzoto Kende. Mais ce qu'on remonte filière, vous allez vous rendre compte qu'un jour, il a été touché par des gens de mauvaise vie. Soit depuis ma Simba est malade, il m'a recouté dans nos. Soit depuis ma Simba est vinaïe et bascula négativement. Il montait dans les affaires, mais tout s'est arrêté. Il était fort spirituellement, mais tout s'est arrêté. Tous nos voisins, est-ce que vous allez avoir Nani à Simba yo. Et à Simba yo wapi. Et ça, nécessairement, on a l'ingale et le baramouta bombani à l'équion à maïe. J'attends quelqu'un dire amen. Parce que moutou a zoya la mission pour détruire le yoko yé batin. Tu peux lui confier tout. Aïe, au talon en dakou, au menier même jusque dans la chambre. Aïe, ma copa, n'ayez vos bengs en agawana. Mais tu ne sais pas derrière ça qu'est-ce qu'il est en train de chercher réellement dans votre vie. C'est pourquoi vie chrétienne est une vie à ma discipline. Est-ce que tout le monde a amen. Et sa vie va laisser à l'été. Tu dois te discipliner parce que tu ne sais pas. Voisin ou aza pembeni na yo, ton voisin ou aza pembeni na yo, azola na yo, pourquoi toucher satanique. Mais deuxième type de toucher, aza toucher divine, c'est là que je vais beaucoup insister. Et nous allons nous lancer dans la prière. Quand il y a texte autotique au temps, nous avons dégagé au moins quatre manières de simba mouté manzame. Dans le chapitre 8, on a verset 41 à 42, il y a Luc, il y a deux informations. Premièrement, il y a un but de déplacement à Yesu. Il a dit que mon conseil, quoi, y a synagogue. Pour votre information, synagogue est acquis un lieu d'enseignement de la loi. C'était un cadre dans lequel on enseignait la loi de Moïse, bien sûr. Il y avait un responsable à synagogue, ou en moi, la nazarobe, la zaïna 12 ans. Et a yéko bon de la Yesu pour que Abix à moi, la nazarobe, koufa. Et Jésus, compassion de cet homme, il a vu son humilité de cœur. A moni komi ki tsanaye, a tali ki bo konzi na yete, a bi voilà tokene. Alléluia. Lelo, combien sont les gens au bazan ba problème, tam souko le kayonanga, ne ba koka ka komi ki tsate pour na venu kanzam. Jésus touché par son humilité, andimi bo kene na ye. Chemin faisant, to somo na mena na verset 43 na verset 44. Et ça peut s'assurer une information selon laquelle, basso la tchabiso,
Et tant au moins à moi, si on a Zalaki Nango, c'était une femme de père de sang. Action au moins à moi, si on a Zalaki, pour que arraché délivrance naïe. Bible lobi, abandai kolobalamute, manaya lobi, nana zo kende kakana simba, et lamba yesu. Mais libo sauté, nabo simba tana sima. Amen. Au monde en a quatre, la Bible sur le tangi ba évangile, synoptique, Matthieu, Luc, Jean, Marc. Au monde en a plupart, il y a bateau, yo, ba bika ba miracle. Au jour de la chair du Seigneur Jésus, c'était des hommes et des femmes qui venaient avec leur foi. On va dire qu'on concevoir qu'on dit manabango depuis nanda. Il ne suffit pas seulement à la présence en Dieu, mais comme je l'ai dit dans mon introduction, mais tu viens avec quelle attitude? Parce que Dieu répond à la foi, mais Dieu ne répond pas aux plaintes et aux lamentations. Est-ce que tout le monde va le dire? Amen. On voit l'attitude de cette dame. Abi non, ce qui est soit n'a pas imposé, bah tu n'as pas beaucoup. Moi, je n'ai pas besoin même qu'il m'impose la main. Ce qui est soit va bien qu'il s'affoie mon anan ou mon tout, n'a pas sa même à ta mon anaté. Elle a conçu sa foi. Abika nenge na zokenda. Soki na simi elamba na na nenge ya sima. Je vais recevoir ma guérison. En réalité, cette femme avait une révélation parce que Jésus incarnant la loi et les prophètes, cette femme avait une révélation selon laquelle elle se disait, mais ceux qui n'ont guéri parce qu'il y avait une loi, bien sûr, évidemment, dans la loi de Moïse qui disait qu'une femme de, une femme de père de sang, à cause d'un ami à Batouté, ceux qui va monier, il faut abomber dans ma banga. Ça, c'était la loi. Maintenant, cette femme a conçu sa révélation. C'est la loi. Tout le monde va me voir. La loi ne va pas me donner l'accès. Mais tu as le kalangana sima. Parce que derrière Jésus, c'est la grâce. Abi, je n'ai pas sima na simie lamba, je serai guéri. Et quand elle a manifesté sa foi, nous lisons la suite que la femme a eu gain de cause. Dieu a répondu à sa foi. Est-ce que tout le monde va le dire? Amen. Ce que la loi nous interdit, la grâce nous permet. Je le dis amen à place. Je habite la loi même, il y a famille, la bino et pekisa. Mais je te dis ce matin et cet après-midi que la grâce de Dieu qui a coulé à Golgotha au travers de son sang va te permettre d'accéder à certains postes que personne n'a rêvé dans votre famille. Je le dis amen à place. Amen. Verset 45 à verset 46. Et son père s'abisse une autre information. C'est en rapport avec la question du Seigneur. C'est là où est basé notre thème. Qui m'a touché? Donc, verset 45 à verset 46. Et son père s'abisse au moins deux informations. Première information, question à Yesu. Deuxième information, Nenge baye kolibayano laki. Yesu asaki clair. Alors, qui m'a touché? Donc, la question du Seigneur était en rapport na foulte, mais na individu, une personne. Parce que Nzambe, asa bien sûr Nzambe na bisonyoso, mais akomimo nisa jamais na bisonyoso Nenge moko. C'est pourquoi on a dans la même église, mais tous les gens qui ont été là. Tous les même pasteur, même athée, mais na katia mouté, ma moutou, na moutou, na moutou, na moutou, na moutou, na moutou. C'est pourquoi l'église qui a été là. Nous avons amené à bien. Pour y église, mon corps, mais tous les gens qui ont été là. Parce que la demande, on a un voisin qui a été là. Voilà pourquoi tes attitudes, même dans la présence de Dieu, ne peuvent pas être comme le voisin. Parce que la présence de Nzambe, tu as quatre catégories à battre. Et ça, la moutoum soit au sambe, la pon Nzambe, si a pas molié. Motivation et la prière, et Zande Moussous. Est-ce que tout le monde va même? Il ne forcera pas trop parce que Dieu l'a déjà béni. Pour lui, ça sera peut-être l'adoration, louange et tant de trucs. Ou l'action de grâce. Mais ça peut la moutoum soit sur deuxième catégorie. A zo sambe, la pon Nzambe, a bandi ko sala. Il y a des prières. Amen.
Mais tout ça peut être la troisième catégorie. Il y a un peu de temps pour nous amener le côté. Mais nous avons dit qu'un jour, nous allons faire ça. Et quatrième catégorie, et ça va tout assembler, va assembler, assembler. Il ne sait pas pourquoi il est venu. Il ne sait pas ce qu'il est en train de prier. Il n'a aucune destination dans ses prières. Donc il ne sait pas ce qu'il est venu chercher. Tout parce qu'au voisin, il y a une catégorie.